Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour ASEO et moi je suis allé prendre les deux nouveaux points de synchro. Et donc voilà, il y a une cutscene qui s'est déclenchée pour une quête secondaire, donc les larmes de Sobek. Donc je vous laisse lire, en gros c'est un crocodile qui est malade et donc il y a un soigneur et il va falloir lui parler. T'as vu ses yeux? C'est pas normal. Nous sommes maudits. Je croyais que les crocodiles sacrés étaient apprivoisés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Betsukos n'avait encore jamais attaqué personne. Ses yeux sont devenus rouges. Est-ce que ce bec nous châtie? Nec. Même les dieux tournent le dos au peuple. Où est Betsukos? C'est Tep, notre prêtre, a ramené le dieu dans le bassin du temple. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ok. Quelque chose ne va pas. Il faut que j'aille voir l'enclos de ce crocodile. Une trace du prêtre. Tsukos a l'air agité. Je vais essayer de me faire discret. Je suis discret. Un liquide malodorant. Ah, la puanteur me brûle les yeux. Oh, Nick. Quelqu'un a été blessé dans l'enclos. Ils ont monté l'escalier. De prêtre abandonné et couverte de sang. Son porteur a été grièvement blessé. Les traces mènent à l'extérieur. Massacré par des crocodiles. Qu'est-ce qu'il faisait ici? C'est l'homme qui empoisonnait les crocodiles. Il tenait ses ordres de Melina l'Hibiscus. Joli nom pour une tueuse. Elle est à l'arsenal naval de Neorio, au sud. Qui ose s'en prendre à un dieu de l'Égypte? Je vais traquer cette blasphématrice. Le nouveau quartier grec n'est pas qu'un ajout élégant. Bon bah on va tuer Mélina. Dommage. Pauvre femme quoi. Laissez le passage. Doit être Mélina. Un habit pourpre. Comme la fleur. Bon, bah voilà.
qu'est-ce qui te prend, toi? Hein? Les gardes sont très vigilants par ici. On va essayer de tout nettoyer avant. Oh non. Je me suis fait peur. Je te retourne pas. Hein. Donc maintenant, celui au-dessus. Ah, je crois qu'ils ont eu un corps. Ah non, c'est bon. Je sais pas. Ah si, il y a du monde. Je crois qu'on a de la visite.
Reste derrière moi, Kevin. Te voilà. Protection. Retenez l'ennemi. Je dois partir. Hé, qui es-tu? Ah. Bien ici on l'autre côté. On va tuer l'endormi et on va se faire l'autre qui est en haut. C'était le prêtre du temple. Par les dieux. L'argent pourrit tous les prêtres. Le poison n'est qu'une mise en scène. Au moins les crocodiles du temple ne mourront pas. Je dois le dire à leur soigneur. Hors de mon chemin ! Chaque année, les Égyptiens meurent de faim par centaines. Gardien de Sobek, cette maladie n'était pas un présage des dieux. Les crocodiles ont été empoisonnés. Mais ils s'en remettront. Empoisonnés ? Par qui ? Ces chiens le paieront de leur vie ! Le responsable est Sehetep, ton prêtre. Il le fait pour soutirer plus d'offrandes aux fidèles. Quoi ? Sehetep est le bras droit de Sobek ! Il ne ferait jamais ça ! Tu es en train de blasphémer ! Ah, vous, les prêtres. Toujours aveuglés par vos superstitions. Je t'ai dit la vérité. Fais-en ce que tu veux, les dieux jugeront. Bon bah voilà. La suite. Alors on peut aller là. C'est ce qu'on va faire je pense pour on ira là. Quoique là ça a l'air d'être le plus chiant mais bon c'est pas grave. On va faire ça. Partez. Qu'est-ce qu'il faut toi? La reine des gladiateurs. Et la russe, vieux sac de grain. Tes jours sont comptés. Ah, t'inquiète pas, il m'en reste assez pour te régler ton compte. Tu es lent et faible. Tes coups ne portent plus. La prochaine fois, tu finiras en morceaux. Bonjour, la Terre. Hé ! Ça suffit ! Laisse-le tranquille ! T'es qui, toi ? Tu veux te battre aussi ? Allez, viens, héros, je t'attends.
pas un peu vieux pour te battre, non? Tu comptes aussi me frapper avec tes insultes? La jeunesse est dans l'esprit, mon garçon. Les dieux ne vieillissent pas. Mais je te remercie pour ton aide. C'est plaisant de parler à un combattant. Tu as un style assez inhabituel. Ça me plaît. Je sais encaisser les coups, et ma tactique repose sur deux choses. Des entailles bien placées et des contusions internes. Pourquoi tu te battais? Ça fait longtemps que je me bats, mon petit, si tu savais. J'étais un champion quand tu t'étais encore ta mère. Je dois me battre. Comment ça? Tu as des ennuis? Des ennuis? Non, je me bats dans les rues pour gagner ma vie. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller voir les frères Gaulois dans l'arène. Alors j'offre mes services ici. Tu peux en vivre si tu sais t'y prendre. Mais si je n'étais pas arrivé... Alors j'aurais perdu une nouvelle fois. Que la vieillesse est cruelle pour le corps. Paradès, ce que la reine me manque. J'étais brillant, tu sais. J'ai même été le combattant préféré de Pompée. Se battre nourrit son homme. Mais si c'est la gloire que tu cherches, alors rien ne vaudra jamais les cris de 30 000 spectateurs assoiffés de sang. Il me reste une chose de la reine, je sais repérer le talent. Et toi, tu en as. Avec quelques conseils, tu ferais merveille. Si tu faisais le prochain combat, j'ai connu quelques revers. Un peu de repos sera le bienvenu. À une condition, Villa. Après ce combat, tu changes de métier. La jeunesse est dans l'esprit, dans la tête. Bon, voilà. Ne sous-estime pas l'ennemi. Garde les mains en l'air, tu baisses ta... Le vieux Crouton vient prendre une nouvelle raclée. Quel manque de respect. Un jour, ça te jouera un mauvais tour. La jeunesse est dans l'esprit. Et aujourd'hui, je t'ai amené une petite surprise. Eh bien, grand-père s'est trouvé un gitan. Allez, viens ici, mon beau. On va voir ce que tu vaux. Je me suis fait avoir, espèce de vieux tricheur. J'apporte. Qui est le lâche maintenant, petit minable? Reviens et finis ce combat. Très beau travail. Un bon début. Tu es presque digne de la reine. Comment t'appelles-tu, petit? Bayek de Siwa. Un peu terne pour un nom de combattant. Je préférerais quelque chose de plus marquant, comme l'Apollon de Siwa. Mais on verra ça plus tard. D'abord, tu dois t'entraîner. Écoute, vieillard. Il y a un autre combat ce soir. Retrouve-moi au coucher du soleil, disons au sommet du phare. Ok. Ah bah c'est parti, on y va. Ah, lui, il est tombé du ciel. C'est ouf. Quel beau ciel nocturne. On est bien ici. Mais où est ce vieux fou? Il est en retard. Bayek, je suis ici! Qu'est-ce que tu fais en bas? Tu m'avais dit en haut! Dépêche-toi, redescends! Un combat nous attend! Pourquoi tu m'as envoyé tout en haut du phare? J'ai quelque chose à te dire. Et Hilarus est sérieux, là. Les élèves doivent obéir sans poser de questions. Vieux Crouton, je ne suis pas ton élève. J'adore ce phare. C'est là que j'ai perdu mon pucelage. Je voulais que tu vois ça. Et puis, grimper, c'est bon pour les poumons. Ta récompense, c'était la vue. Ça en valait la peine, non? Tu as bien fait. C'est agréable de prendre le temps d'apprécier la beauté de ce monde. Tu vois, je passe pour un fou, mais je pense toujours à tout. Souviens-t'en, Bayek. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cours au prochain combat! Enfoiré! Ah, je vais couper! Ah, c'est passé! Oui, mais ils ont nos arts possibles! Ah, mais...
Oh, par tous les dieux. Tu vas pas te laisser battre par un vieux quand même. Ah mais j'aurais su avant, ce serait mieux quand même, hein. Là maintenant t'es niqué mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? D'accord. Repose-toi, grand-père. Un peu de respect, jeune élève. Je courais dans l'arène comme un dément pendant des heures. Pompée m'appelait le dromadaire d'Hermès. J'ai de la ressource. Paramon, je ne suis pas ton... Attends, Pompée t'a comparé à un dromadaire? Hilarus Maximus, le dromadaire d'Hermès. Hilarus, tu dois bien savoir faire autre chose que te battre. Y'a que ça de vrai. Un jour, j'ai affronté toute une garnison. Tu peux en dire autant? Ça m'est arrivé. On a un autre combat à mener. Par ici. Ouais, c'est un bordel. C'est la leçon suivante. Ne te laisse jamais distraire, mon petit. Le dernier combat est à l'intérieur. C'est toi le prétendant? Je sens que ça va me plaire. Allez, ils attendent. Prépare-toi, Bayek. Cette fois, ce sera difficile. Dès que tu es prêt, tu me le dis. Oh, oh, Hilarus le décrépit veut retrouver sa gloire perdue. Je vois que ces rumeurs sont vraies. Tu t'es trouvé un lion pour assurer ta protection. Ça ne changera rien. Je vais le battre pour l'argent. Toi, je t'écraserai pour m'amuser. Hilarus va se... Espèce de vieux tricheur! Si tu amènes des... Ah, tu veux vraiment la jouer comme ça? Alors moi aussi, j'arrive! Eh bien, quel spectacle impressionnant. Que dirais-tu d'un emploi stable? Montrer tes muscles, t'occuper d'éventuels problèmes, tu ne manquerais pas d'attention. Hélas, je suis déjà engagé. Que dirais-tu d'un vrai champion de l'arène? Hilarus a été l'un des favoris de Pompée. Tu es un peu vieux, mais tu en imposes toujours. Tu sais encore te battre? Si je... Noble dame, je suis Hilarus. La jeunesse est dans l'esprit. Je te promets que tu n'auras pas à te plaindre. Si mon élève n'a plus besoin de moi... Alors viens. Nous discuterons des conditions en privé. C'est fou ça. Oh. Attendez, je vais monter. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh oui. Carrément. Le Cunilingus. Eh ben. C'est ouf. Ah oui. Oh, je vais écrire des poèmes comme ça, moi, ça y est. Je le sens bien. Ah mon petit, ça va? Alors, ton nouveau travail, Hilarus. Tiens, revoilà l'Apollon de Siwa. Ce n'est pas si différent de la reine, en fait. Ça couine et ça grogne tout le temps. Et la patronne me sollicite beaucoup. Vieux Boukva, la jeunesse, c'est dans l'esprit. Si bien, mon petit. Enfin, mon petit. Mon géant. Du coup, où va-t-on?
On va aller là. Voilà. Parce que j'ai envie d'aller là. Ok. Bon bah. On y va nous-mêmes. Enfin, on essaye tout du moins. T'es bloqué, tu sais pas trop voir. Hein. On tue des sobecs à Crocodilopolis. Par les dieux, une tannerie illégale. Mis à sécher comme des carpettes. Pas étonnant que l'endroit soit fermé. On cache le meurtre de Dieu. Le joli Tador. Quelqu'un tire un beau bénéfice de ce sacrilège. Sont remplis d'or et d'objets précieux. Mais où est-ce qu'ils les emmènent? Ils sont envoyés aux quatre coins de l'Égypte. Ces momies ont été bâclées. C'est un ignoble blasphème. Les crocodiles sont massacrés et momifiés. Mais le travail est fait sans le moindre soin. C'est un véritable sacrilège. Les momies servent à transporter des pièces, elles sont empilées comme de vulgaires sacs. On utilise des cadavres de dieux pour faire de la contrebande. Rien que l'odeur me retourne l'estomac. Les coupables méritent la mort. Comment peut-on faire ça en Égypte? Par les dieux! Il faut y mettre fin. Je dois trouver où sont envoyées ces momies. Il doit y avoir un quai près de cette tannerie. Ouais, sûrement. Vous vous rendez compte les sacs à main qu'on faisait à cette époque? Des sacs à main de dieu illégal, quoi. Du coup, bah, on est proche. Bonjour. Un des ennuis. J'ai pas envie de faire ça. Mais tu as mis ton. Je te. Ah non. Merci, Medjay. J'ai la vie sauve, mais il semble que le mal ait déjà été fait. J'ai vu la tannerie et les momies. Je sais ce qu'ils font aux enfants de Sobek. Tu as vu ces horreurs? D'où à Sobek? C'est impardonnable. Je suis pas Diaset. Je sers le temple qui est au sud de la ville. Pardonne-moi. Je dois repartir. Seule la prière peut me guider. Cette fois, prêtre, prier ne suffira pas. Nous devons agir. Ces momies ont une destination. Je crois qu'ils les transportent en bateau. En bateau? Le culte a une trirème. Elle suit les voies marchandes au sud de la ville. Fais ton devoir, Medjay. Je prierai pour toi. Mais par pitié, ne fais pas couler le sang. Le sang coule toujours, qu'on le veuille ou non. Je dois chercher le manifeste de ce navire. Il m'apprendra la destination de ces momies. Merde. Tout va bien les loulous. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, on va foncer dedans.
Rien à foutre. À l'attaque. Bam. Manifeste du navire. La cargaison est destinée au camp des Trirèmes échoués, à l'ouest. Décidément, ce culte est de mèche avec les sbires de Ptolémée. Argent, pouvoir et corruption. Encore et toujours. Faut que j'aille dans ce camp pour en savoir plus. Allez, j'arrive. Voilà le camp des Trirèmes échoué. Oui, en mode point. Vas-y, viens me les tripler. J'arrive. Ah, parfait, j'ai le trésor et tout. Par contre, j'aimerais bien. Ah, bah, il est là-bas. Oh! Non, mais t'inquiète. On va déjà tuer tout ça. Après le capitaine, on verra. Attends. Bon, d'accord. Est-ce que c'est comme ça? Dégage. Voilà.
Bah oui, me voilà. Tu veux que je sois où? Hein? Super trésor là. Les lettres entre le capitaine et Cétep. Encore ce Cétep. Ce maudit prêtre du Temple du Nord est en train de devenir un vrai problème. Je dois avertir Padiaset au sujet de Cétep. Ça ne va pas lui plaire. Ici, ok. Oh, ça va être chiant. Bah, on va t... Ouais, on va TP là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que... Laissez le passage! À quoi est-ce que tu joues? Ils font des trucs bizarres, ces gens. Hors de mon chemin! Par les dieux, qu'est-ce qui s'est passé? Puisses-tu marcher sur les terres de la Douate? Que ce bec te soit. Medjay, tu arrives trop tard. Cétep a envoyé des hommes pour me tuer. C'est ce que je vois. Pas mal pour un prêtre qui n'aime pas voir couler le sang. Je n'ai pas toujours été prêtre. Je croyais mon passé derrière moi. Cétep et moi avons trouvé la foi et rejoint le temple ensemble. Ça a été difficile pour nous, mais je dois l'arrêter maintenant. Tu ne peux pas t'attaquer à lui. Pas si l'on veut que le culte y survive. Un prêtre ne peut pas tuer un autre prêtre. C'est à moi de le faire. Tu as raison. Tu le trouveras au Temple du Nord. Je te rejoindrai à l'extérieur. Voilà, pour Cétep, c'est ce maudit Medjay. Non mais... Et tout à l'heure, il me disait rien, puis là, il m'attaque, quoi. J'ai rien fait, moi, monsieur. Temple de Sobek. Cétep est à l'intérieur, sous bonne garde. C'est tellement haut. Oh, il est interdit de venir ici.
essayer de me le faire très vite, sinon on va s'arrêter devant, tant pis. Après il est à l'intérieur, donc est-ce qu'il y a moyen de passer quelque part? Tiens, le papyrus est ici. Vous avez vu, c'est fou, hein. À part là. Bah, il y a deux entrées, même. Bah. Sans déconner. Au temps de l'ancien royaume. L'ancien royaume est mort. Peu importe qui il est, cet infidèle finira déchiqueté dans le ventre de Petrico. C'est fait. La foi se transforme trop souvent en perfidie. Je dois retrouver Padiaset. Quoi ? Très bien. Ah ben non. Que le Mejai réussira. Setep a choisi la mort. Il le fallait. J'ai perdu un frère aujourd'hui. Si j'avais agi plus tôt, peut-être qu'il serait toujours là. La foi doit rester vigilante. Voilà ma leçon. Nous allons rebâtir ce qui a été détruit. Mais les soldats, ils ont pris part à tout cela. Et ils réessayeront. Mais reste fort. Ils ont compris qu'il ne faut pas s'en prendre au temple. Sobek aussi à ses guerriers. Tu m'honores, Mejai. Puisse Sobek t'honorer. Bon, et bien voilà les loulous, nous on va se laisser là, donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!